Всем привет, salut à tous, это Уго, и в этом видео я буду вам говорить на французском языке о том, почему я изучаю русский. Мне очень часто спрашивают, и тогда я думал, ну почему бы нет, снимать видео об этом на французском. И ну вот. Будут французские субтитры, нет русских, только французские, но если вам что-то трудно понять, просто... спрашивайте в комментариях, и я обязательно буду отвечать. Я обязательно отвечу. И, ну да, я вам говорю удачи, и вот, поехали. Alors, pourquoi j'étudie le russe? Avant d'étudier le russe, avant d'apprendre le russe, j'ai étudié le polonais. Le polonais et le russe, ça se ressemble beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi après. Je vais tout expliquer. Les parents de ma grand-mère sont arrivés en France il y a longtemps, en 1936. Et la langue maternelle de ma grand-mère, c'était pas le français, c'était le polonais. La première langue qu'elle a parlé, c'était le polonais. Le français, elle l'a appris à l'école. Donc, à la maison, elle parlait polonais. Et au premier jour d'école auquel elle est allée, elle a commencé à apprendre le français. Voilà. Donc, sa langue maternelle, c'est le polonais, c'est pas le français. Elle parle très bien français, elle parle même mieux français que polonais aujourd'hui. Voilà. Alors, quand j'étais plus jeune, je m'étais intéressé à la langue polonaise. Pourquoi? Parce que c'est la langue de ma grand-mère, du coup ça m'intéressait. C'est normal, j'étais intéressé. Et j'ai voulu commencer à l'apprendre. J'ai commencé à l'apprendre avec elle, tout seul à la maison aussi. Et ça m'intéressait. Bref, j'apprenais le polonais, c'est tout. Après, avec l'école, il fallait que je choisisse des études. Qu'est-ce que je vais faire après l'école? Qu'est-ce que je vais étudier? Qu'est-ce que je vais faire comme métier, comme job, etc., etc. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et j'ai pensé au polonais. Je me suis dit, si je pouvais faire quelque chose avec le polonais, ce serait vraiment sympa. Ce serait quelque chose qui me plairait. Ça me plairait bien. Et je me suis dit, le polonais, le problème, c'est que c'est exclusif à la Pologne. Il n'y a que des Polonais en Pologne. Il n'y a aucun autre pays qui parle polonais que la Pologne. On est d'accord. Et je me suis dit, du coup, le russe ressemble beaucoup au polonais et beaucoup de pays parlent russe. Alors, pourquoi pas récupérer, entre guillemets, les bases que j'ai en polonais pour apprendre le russe plus vite, du coup, puisque je connais déjà un peu le polonais. Je connaissais déjà un peu le polonais. Du coup, j'ai commencé à apprendre le russe quand j'étais en première. Ouais, quand j'étais en première, c'est ça. En fin de première, je crois. Et ensuite, pour la fin de la terminale, quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé des études en littérature, civilisation, etc. Bref, des études en russe. Pourquoi? Dans quel but? Pour faire interprète si possible. Donc... j'ai appris le russe pourquoi? Enfin, pourquoi j'apprends le russe? Parce que j'ai commencé à apprendre le polonais avec ma grand-mère. Pourquoi? Parce qu'elle est d'origine polonaise. Et dans quel but j'apprends le russe? Dans le but de travailler dans un domaine en lien avec la langue russe ou la culture russe de manière plus large. Bref. C'est tout ce que j'ai à vous raconter. C'est peut-être pas long, mais c'est compliqué à comprendre. Si jamais vous n'avez pas tout compris, remettez la vidéo au début, comme ça avec le montage, remettez la vidéo au début, mettez les sous-titres si besoin, ils y seront quand la vidéo sera sortie, tout de suite. Et si jamais vous comprenez toujours pas, vous m'écrivez dans les commentaires, et je vous répondrai, il n'y a pas de souci, je vous expliquerai tout. Si jamais vous avez besoin de plus de conseils, vous pouvez toujours m'envoyer des messages sur VK. Le compte est en description, le lien vers mon compte et vers la page surtout. Donc si jamais il y a beaucoup trop de problèmes, vous m'écrivez en privé et je vous répondrai, je vous expliquerai tout. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si jamais il y en a encore, vous pouvez toujours me les poser en commentaire. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Je dis nous parce que j'ai l'habitude de faire cette partie de la vidéo en russe et du coup je la fais jamais en français. Alors je vous dis, vous pouvez laisser un like si la vidéo vous a plu, c'est ici, pas là, ici. Vous pouvez vous abonner si vous voulez d'autres vidéos. Si jamais vous êtes intéressé par la langue française, c'est ce que je vous conseille de faire. Après, cherchez aussi d'autres chaînes sur YouTube, parce qu'il n'y a bien sûr pas tout sur ma chaîne. Il faut chercher d'autres choses. Et voilà, je vous dis à la prochaine et bonne chance avec la langue française.